donc on photographie là également. Et puis encore la fin d'un coup de chapeau aux bénévoles qui sont présents et qui seront présents sur tous les points du circuit. Donc revenez sur le podium, Benoît Michel qui va vous donner donc quelques conseils précieux. Bonjour à tous, je vais essayer d'être bref pour qu'on ne parte pas en retard. Le premier point, le truc de base, c'est le balisage. Donc s'il y a une frontale allumée, ça devrait réfléchir normalement. Ouais. Voilà. Et autrement, c'est de la rubalise rouge et blanche. Des points roses par-ci par-là ou des flèches sur la route qui se verront puisqu'il n'y a pas de neige cette année. Et puis des points réfléchissants par rapport au changement d'heure, etc. Et j'ai considéré que normalement, et ça dépend à l'allure où vous allez, mais jusqu'à Bélesta, il y a des points réfléchissants. Et après, il devrait faire jour, même pour les premiers. Voilà, c'était le balisage. Hein. Sur le parcours, vous voyez pas mal de neige et de vent ces temps-ci. Donc il y a quelques arbres en travers, enfin, rien d'insurmontable, mais on n'a pas tout dégagé. Donc il y en a quelques-uns à sauter, mais bon, ça passe. Il y en a notamment un, et si vous voulez pas voir le t-shirt finisher, vous fermez les yeux. Autrement, je vous le montre pour vous montrer ce qu'il faut aller chercher. Quoi. Voilà, c'est lui. Ben, je vous souhaite une bonne course et une bonne journée. Merci Michel, effectivement. C'est bon Maxime, tout va bien? C'est la grande forme, le moral? Oui, oui, le moral. Habiter ce temps plus mieux, ça va. Mais toi, tu es montagnard, toi. Voilà. Allez, les petits mots que ça me le rappelle. Allez, bonne course.
Alors, voilà, c'est dans les gammes, là. C'est pas mal. On a fait ce qu'on a pu, c'était les citadelles comme les citadelles. Quoi. Ouais, debout. Ok, non, bravo en tout cas.